What up, ça a fait tout le monde, nous connaissons depuis nous-mêmes, il parle de Hot News Show qui n'a qu'à là avec nous, son plaisir nous là avec nous aujourd'hui. So, je vais raconter une histoire chien ça, qui a joué un gros rôle important, qui a joué un rôle important pour les soldats américains dans la Premye Gè Mondyal là, et qui était même arrivé vinn Sèjan. So, je connais quelqu'un qui a demandé comment faire un chien vinn Sèjan, so, histoire simple, reconnecter avec nous pour qu'on apprenne plus de l'histoire. Et pas oublier que pas mande nous en pile, ça mande nous c'est abonner avec page là, share mission avec zamio, famio et mande tout pour faire même travail là. Pas oublier me lagasse avec IP image ou même qui besoin logo, billboard, flyer, jingle, beat même contacter IP image ou papa grand zamio. ITHSAS Beauty Store sous bien chez Bello même genre avec moi ou bien je frais contacter ITHSAS Beauty Store, les gratis pour garçon, pour fille, juste contacter ITHSAS Beauty Store. Pas oublier sur toute photo à main pour faire promotion business ou nos problèmes, contacter nous faire photo, nous faire vidéo, n'a bon service. Et chose à tout passer sur ma TV et n'a pas coup de pause, n'a pas tourné. Hot News Show. So, nous retournons, vous connaissez déjà, Hot News Show. Pour nous continuer, Stubby un chien ras pitbull qui était vraiment intelligent et fidèle avec maître et même fidèle avec pays. Comment Stubby fait entrer dans l'armée et qui j'en d'exploit tout, l'été fait, qui fait arriver vinn Sèjan. À l'époque, les militaires américains ont entraîné sous un campus université Yale, dans le Connecticut en juillet 1917, pendant l'époque de la guerre mondiale. Stubby était toujours à observer l'entraînement soldat. C'est une passion pour Stubby. Le gars bien, c'est comme si un humain incarné dans Stubby. Parce qu'il était adapté rapide avec le mouvement soldat fait. Mais il y a un soldat, le terrible Robert Conroy, qui était tout attaché à Stubby grâce à l'intelligence. Dans 2 mois seulement, Robert montre Stubby comment pour le saluer en militaire et en pilote de bagarre encore. Stubby était vraiment doué. Dans le moment où le soldat a embarqué pour aller en Europe, pour Robert monter avec Stubby dans le bateau, il était obligé de cacher Stubby pour officier au bateau. Les officiers viennent découvrir qu'il y a un chien dans le bateau. Stubby salue officier en militaire et yo te tout accepté Stubby parmi yo. Pas bien tout Stubby était vraiment intelligent. Normalement guerre, présence Stubby était vraiment utile parce qu'il te sauve un peu de soldats et même sauver un village parce que base militaire américain était tout pour un village. Soldats allemands te convoyé un peu de gaz toxique sous base militaire américain. Ça vient permettre à Stubby identifier des gaz toxiques ça facile. Non matin, pendant soldat américain qui a dormi, allemand relance gaz toxique sous base militaire américaine. Nous connaissons chien odeur qui plus développé que l'homme. Rapide, Stubby détecte odeur, il commence mordre soldat qui a dormi, jappé jusqu'à ce qu'il réveille. Et Stubby allait dans village là, il commence jappé villageois, il vient comprendre que pour mettre masque, jour ça, Stubby sauver un pile soldat et même un pile villageois. Après bel exploit ça, il était tout bas Stubby comme gardien qui c'est caporal. Il était tout vignon membre officiel dans la mer. Stubby était vignon soldat vraiment utile. Il aidait des militaires jouer un soldat qui blessé ou mourir sous champ de bataille. Il était même identifié un espion allemand dans la base là. Il était sauté sous lui. Les militaires américains ont vu qu'il y avait espion allemand ça. Il était gon quoi, il a retiré le bas Stubby. Pour travail important ça, Stubby passait de caporal en sergent. Et c'est le premier chien dans toute l'histoire USA qui est sergent. Parce que la présence de Stubby était vraiment importante dans la guerre. Les Américains ont fini la guerre, ils retournent à la maison, ils font une belle parade. Stubby était en tête parade là. Tout le monde était en vie de rencontrer en vie de Stubby. Et ils décorent Stubby pour reconnaissance et folle. Stubby était vraiment bien célèbre. En plus, monde était en vie de Stubby. Et rencontré plusieurs présidents américains à l'époque. Vous imaginez, un chien qui a rencontré plusieurs présidents américains. Il était rencontré Woodrow Wilson, Calvin Coolidge et Warren G. Harden. Et Stubby était même venu au mascotte football américain, ça, qui c'est les Orioles de Georgetown. Après quelques années, Stubby participe au pays sans chapeau en 1926. Sèjan Stubby, c'est un ami au héros guerre et un dessin animé qui est le Stubby qui est basé sur ville. Et au même fait un monument Stubby dans le Connecticut pour service de bail pendant la Première Guerre mondiale. L'histoire Stubby est vraiment belle. Si vous avez plus de détails de Stubby, vous pouvez toujours faire une recherche personnelle pour savoir qu'on a plus de lui. Et l'histoire ça montre autour, ce n'est pas seulement l'homme qui fait exploit, même chien. Et il montre la différence là, on a payé côté un cadre de chien.
nous connaissons Haïti, beaucoup de panneaux différents, pas juste parler plus, pas chez nous, il est toujours dans la rue. So, je vais vous dessin animé à Belto, à regarder, moi je suis fan de dessin animé, je connais les gens qui ont regardé là, qui sont fan de dessin animé en ville. Moi je vais dormir pour regarder des dessins animés, on s'en vient. Pas oublier que c'est dans la vidéo, chaque commencement qu'on fait. Je suis content de partager mon moment avec vous et je vais mettre l'autre vidéo. Pas oublier de la grâce avec IP Image ou bien ce logo, billboard, flyers, jingle, contactez IP Image. Sous bien gérer Bello, il parle que ITHSAS Beauty Store, il y a un article pour garçons, pour filles, pour tout le monde. Contactez ITHSAS Beauty Store en même ou pas pour les. Si toutefois, tu as appelé pour faire promotion business ou nos problèmes, contactez-nous, nous faisons des vidéos, nous faisons des vidéos, nous faisons photos, nous faisons des chers. Et je vais mettre l'autre vidéo, Hot News Show. Bye.